Je suis brune. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis juste trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à ma gueule, je me suis dit, allez hop, après 3 épisodes de la Casa de Papel, on va essayer de ressembler à Tokyo. Quoique là, vu ma gueule actuelle, c'est plutôt Poitiers. Donc voilà le petit résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, ça change. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais dites-moi quand même en commentaire ce que vous en pensez. Là, on est actuellement sur mon lit, le cadre est dégueulasse. Mais écoutez, c'était le seul endroit de mon appartement ou de ce qu'il en reste. Regardez, il y a une tache, c'est magnifique cet appartement, j'ai l'impression de filmer dans une cave. C'est le seul endroit où il y avait une bonne lumière et où la lumière était naturelle. Vous inquiétez pas, c'est en cours de traitement, tout ce qui est aménagement du décor, tout ça. Parce que je sais pas si vous remarquez, mais il y a quand même une nouvelle qualité audio. Voilà, Lucas a investi dans un micro qui ressemble étrangement à un phallus. Donc écoutez, je regrette pas mon investissement. Ce sera double usage. Également, le montage est normalement plus fun, plus dynamique, plus pro. Enfin bref, je suis en train d'investir et d'être complètement folle au niveau de ma chaîne YouTube pour vous proposer justement un contenu qualitatif. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? J'ai été contacté par Beauty Bay pour faire un partenariat avec eux. Là, vous allez vous dire, mais Lucas, t'abuses de vidéos que tu nous sors, de vidéos sponsorisées, ton loyer a augmenté ou quoi? Non, mais comme je me relance un petit peu sur YouTube et tout, je suis juste trop content de pouvoir retravailler avec des marques sur YouTube. Et comme vous le savez, de toute façon, je ne travaille qu'avec des marques que j'aime et que j'utilise. Donc, quand Beauty Bay m'a contacté, honnêtement, j'ai sauté le pas. Vous allez avoir, pardon, un petit code promo et je vais pouvoir, moi, utiliser de nouveaux produits et vous les faire découvrir. Donc, je suis juste trop content. Donc, pour ceux qui ne connaîtrait pas Beauty Bay, qu'est-ce que c'est? Beauty Bay, c'est tout simplement un site incontournable, on peut le dire, pour les personnes qui aiment le maquillage. En vrai, au niveau rapport qualité-prix, la marque est trop top, c'est vraiment pas cher. Vous avez des palettes de qualité à même pas 20 balles. Sur le site, vous pouvez également choper des marques, vous savez, qui sont galères à trouver, genre qui sont difficiles à trouver parce qu'elles sont pas françaises, parce qu'il y a des frais de port hors de prix, etc. Bref, sur Beauty Bay, vous pouvez les trouver. Vous avez par exemple du Kimchi Chic, vous avez du Anastasia Beverly Hills, Obvi, ou du Made by Mitchell, j'ai vu, ils avaient, et ça, j'ai trop hâte de commander sur le site et de tester. Vous avez également un programme de fidélité qui s'appelle Tribe en fait et qui est directement affilié au site, et en fait quand vous faites des achats vous cumulez des points que vous pouvez échanger en bons d'achat, tout ça. Donc c'est trop top. On va se mettre en mode avion parce que ça va là, les petites déclarations d'amour à 14h, laissez moi tourner, merci. Beauty Bay m'a contacté du coup à l'occasion du Black Friday puisqu'ils font des offres et en ce moment il y a des promos top sur la marque Beauty Bay mais également sur toutes les marques présentes sur le site, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Vous avez un code promo du coup durant toute la période du Black Friday, c'est Lucas, et ça vous offre moins 10% sur la marque Beauty Bay uniquement. Donc n'hésitez pas à aller tester ça et à l'utiliser si vous voulez faire des petites commandes. Beauty Bay m'a laissé du coup choisir des produits sur leur site que je vais pouvoir vous présenter et tester en vidéo. Décidez tout simplement en vrai de réagir avec vous, non pas sur vos histoires d'amour, donc ce sera pas un docteur love, même si ça arrive très prochainement, mais un docteur honte. Bah non, un thérapeute honte, thérapeute, un thérapeute. C'est beau comme mot, on dirait un animal préhistorique. Je vous ai demandé tout simplement de m'envoyer des mails qui sont bien sûr en anonyme où vous me racontiez votre pire honte. Donc voilà, donc je trouve ça archi cool de faire ça tout en se maquillant et tout, c'est fun, on va s'appliquer du fond de teint sur la gueule et on va se moquer des gens. Non, je rigole, en vrai ça va être avec bienveillance, on va juste rigoler sur les aléas de la vie, de vos vies, pas de la mienne pour une fois. Donc on va commencer sans plus tarder, on va préparer sa petite peau. Je vais commencer par utiliser, ça je rêvais d'acheter ce truc là, je le vois tout le temps sur TikTok, de chez Skin Gym, et c'est une gua sha. C'est les trucs en pierre pour tonifier, etc., le visage et tout. Et je trouve ça grave fun. Use your Skin Gym Earthy to over clean daily for 3 à 5 minutes par jour. Non, pas 3 à 5 minutes par jour. Écoutez, j'ai pas posé un RTT pour m'appliquer une gua sha sur la gueule. Non, non, on va faire 2 à 3 secondes. Ça va être suffisant. Vous mettez en fait votre sérum dessus ou votre crème hydratante, tout ça avec. Et ça fait de la gymnastique en fait pour le visage. Ouais, je crois que ça s'utilise comme ça. Pour bien redéfinir genre la mâchoire et tout. Ça tonifie le visage et tout. J'adore. Donc je vais commencer par appliquer la gua sha là avec un petit sérum du coup de chez Beauty Bay. En gros, un sérum pour éclaircir la peau. Voilà, il est vegan. Donc j'ai également pris du coup de chez Beauty Bay une petite crème hydratante. Voilà, c'est la Rich Moisturizer Oatmeal Outpoint for Hydrating and Replenishing Skin. Donc c'est cruelty free et vegan, les produits Beauty Bay, hop, vire. En 2021, une marque qui teste sur les lapins, c'est un peu trop quand même. Donc non, c'est... Oh!
Donc ça se présente comme ça, on dirait. Mais ça sent le propre. Genre, je sais pas comment vous dire, mais on dirait que ma peau est en bonne santé quand je sens ça. Alors que comme vous pouvez le voir, elle est totalement en décomposition. Hein, on dirait que je suis atteint de la tuberculose ou je ne sais pas. Mais non, ma peau en ce moment, enfin ça va toujours pas mieux. Hein. Honnêtement, j'ai 22 ans, j'ai toujours la peau d'une gamine de 14 ans qui est fan des One Direction, donc c'est un peu compliqué. Commencez pas à me dire en commentaire que je dois utiliser Roaccutane et tout parce que je le ferai pas. Je refuse. Comment ça se présente? C'est trop mignon. Le packaging est super joli, c'est hyper. Ça fait healthy, genre on a envie de le cuisiner. C'est trop mignon. Donc, je vais appliquer le petit jus d'orange, hein, parce que clairement, ça a la couleur du jus d'orange, c'est trop mignon. Du coup, je vais l'appliquer sur mon visage. Voilà. Merde, j'aurais dû prendre un miroir, je vois rien. Et par-dessus, je vais foutre un petit peu de crème hydratante. Ça va faire un combo. Hop. Et on fait avec la gua sha. Oh. Voilà. 3 à 5 minutes, non mais ça va pas non. C'est super agréable, en vrai c'est grave frais, mais je vais pas faire ça pendant 3 à 5 minutes. Bon, je vous dirai si ça marche, est-ce que ça change quelque chose. Ah non, on va lire une petite honte. Oh là là, c'est si long, vous m'avez envoyé tellement de mails, j'adore. Alors, l'objet du mail c'est pipi dans une cabine d'essayage, donc ça peut être rigolo. Coucou Lucas. Ma pire honte remonte à l'époque du collège, preuve que j'étais bien consciente de ce que je faisais. Après les cours, mon père m'emmène dans un magasin de vêtements pour m'acheter un truc que j'avais repéré. Donc j'étais dans un bon mood. Problème, j'accumule une envie de pisser depuis des heures. Mais dans l'euphorie, je me dis tant pis, ça attendra. Une fois dans le magasin, je peux plus me retenir. Je trouve l'article que je voulais, je fonce en cabine, je baisse mon pantalon, je m'accroupis et je fais pipi dans la cabine d'essayage. Je fais vite, je ressors et on va à la caisse pour payer. Et là, je vois des vendeuses qui s'approchent de la flaque et qui se disent « Et t'as vu, c'est quoi ça ? Je sais pas. » À l'odeur, on dirait de la pisse. Et elle tourne la tête vers moi, étant la seule cliente à ce moment-là. Horreur, malheur, miséricorde, j'éjecte mon père du magasin et j'y suis plus jamais retourné. J'étais deck parce que je l'aimais bien. Voilà, j'y pense encore et j'en rougis. Affreux. Bisous Lucas, je t'adore, ne change jamais. Bah toi, je change de magasin du coup. Pourquoi t'as pas juste demandé des toilettes? Genre, moi je sais pas, je suis dans un magasin, j'ai beaucoup envie de faire pipi. Je vais voir les vendeuses et je demande d'aller uriner. Pourquoi se donner autant de mal comme ça? Enfin, pisser dans une cabine d'essayage. Genre tu t'es dit la vendeuse sachant que t'es la seule cliente, ça va pas passer. Bref, non, ça c'est un problème de technique. Vous t'es pas assez... Enfin je sais pas, il y a un bug. Il y a un petit bug quand même. Pas pisser dans les cabines d'essayage des gens, hein. Des gens qui nettoient le magasin. Et les gens qui se lèvent à 7h du mat pour te faire acheter ton haut Jennifer n'ont pas à subir ta pisse. Donc non, donc soit la prochaine fois tu mets une couche, soit tu demandes à aller aux toilettes tout simplement. Ah, j'ai pas fait mon regard accusateur. Ah, on va essayer de reprendre foi en l'humanité en se maquillant. Du coup, je vais utiliser des fonds de teint. Donc moi, j'ai commandé ceux de chez Lorac, qui est une marque que je voulais trop tester. Ok, donc j'en ai pris deux parce que je sais jamais au niveau des teintes. Moi, commander sur les sites internet du fond de teint, j'ai toujours du mal. La 5 et la 3. Ah, j'adore, on dirait mes lignes de métro. Vous voyez ? Le packaging est trop joli. Du coup, je vais prendre une petite palette. Je vais l'utiliser dans le make-up. C'est celle-ci, la Fairy 2.0, qui est juste sublime. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est les Beauty Bay. Elles sont juste trop jolies. On va utiliser avec ceci un set de pinceaux, toujours de chez Beauty Bay. Les pinceaux Beauty Bay, c'est ceux que j'utilise le plus, honnêtement. Niveau pareil, rapport qualité-prix, ils sont top. En vrai, ils sont top. Donc je vais utiliser un pinceau comme ceci pour appliquer mon fond de teint. Je sais que de base, c'est pas un pinceau à fond de teint, ça. Tu sais, c'est du haut fibre et tout. Mais je trouve qu'ils appliquent trop bien le fond de teint. Moi, je me maquille avec ça, le teint. Oh, je crois que je me suis pas gouré sur les teintes. On va essayer celui-là. Ah, je dette ça. Bref, je crois que je vais mélanger les deux. Et on va voir ce que ça donne. Je vais faire un petit zoom hyper gênant puisque vous allez voir mon visage de près. Mais, oh, elle est laide. Elle est un peu dégueulasse, la dame. Du coup, je vais mélanger les deux teintes. Donc, je vais mettre une pompe plus claire et une pompe du plus foncé. J'ai l'impression d'être prof de physique chimie, là. Voilà. Et on va tout simplement mélanger avec le pinceau. Voilà. Et du coup, je me l'applique tout simplement sur la gueule. Et on va voir ce que ça donne. Vérifions ensemble. Alors, au niveau de la couleur, je crois que c'est pas trop mal. Un vrai manteau en hiver, ce fond de teint. Il est top. Je vous dis, jure, il sent le cappuccino, c'est trop bizarre. Oh. Et le pinceau, il n'y a aucune trace. Oui, c'est pour ça que j'aime trop ces pinceaux-là. Bref, du coup, après ça, on va appliquer l'anti-cerne. Donc, c'est toujours de chez Lorac. Voilà. Du coup, je vais mettre le numéro 3.5 Fair. Du coup, j'en mets
Voilà. Résultat sur ce petit fond de teint, honnêtement il est top, il est super mat alors que j'ai même pas encore poudré le teint. Et juste si vous pensez que la couleur n'est pas adaptée, je viens de checker dans le miroir, je viens d'appeler en FaceTime Adam, je viens de rappeler ma mère. En vrai, il est top. Bref, on va passer du coup maintenant à la matification de ce joli chef d'œuvre. Et du coup je vais utiliser, je suis juste trop content, une petite poudre de chez Kimchi Chic. Elle est où? Je l'avais tout à l'heure. Elle est où? Je l'avais tout à l'heure. Je l'avais tout à l'heure. Je l'avais. Je t'avais tout à l'heure. Je t'avais. Je t'avais. Comment je t'avais tout à l'heure? Elle est là. Voilà. Plus de peur que d'anal. Du coup, je vais utiliser la poudre de chez Kimchi Chic. C'est les premiers produits que j'utilise de chez Kimchi Chic. Donc, c'est une poudre translucide. Voilà. Que l'on va éventrer de manière glamour. Ah, c'est trop mignon! J'adore! Regardez comment c'est mignon! Comme ceci, voilà, hop, elle est trop mignonne, elle est trop mignonne. Du coup, vous avez un petit truc puff là comme ça, c'est super chou, trop joli, vous voyez pas là, mais en fait ça fait un petit cœur le truc avec les trous. Donc bref, ce qu'on fait, on met dans le bouchon, donc on la ferme, hop, voilà, donc elle est transparente, non, elle floute bien les pores et elle matifie. Donc on verra après dans la journée ou même à la fin du make-up ce que ça donne, mais... elle est trop mignonne. Donc ensuite on va passer au sourcil et du coup j'utilise... on va baker un peu. Je vais juste faire un petit baking en fait. On va laisser poser et cuire la petite mixture qu'on a sur la gueule. Et on va faire nos sourcils. Du coup j'utilise un crayon de chez Beauty Bay, c'est le Eyebrows Pencil. Allez, fais la focus. Donc deux embouts, un petit embout mine. On va faire un petit zoom gênant hein, en espérant ne pas avoir des résidus de vie sur la gueule. Bon, voilà, on va dire que c'est bon. De toute façon, comme je vous dis, j'ai pas besoin de beaucoup de... voilà. Voilà, donc on va passer maintenant au contouring. Donc on va se bronzer la gueule. Du coup, ensuite, avec un petit bronzer de chez Beauty Bay également. C'est le Powder Bronzer. Voilà, comme ceci. Trop joli le packaging des produits Beauty Bay. C'est grave soft et ça va à l'essentiel. Mais juste histoire de réchauffer mes pommettes saillantes. Après, je reprends mon gros pinceau et je restompe. Non, il s'estompe super bien, la couleur est super jolie. Du coup, voilà pour ce qui est du teint. Du coup, on va passer maintenant aux yeux. Mais avant, on va lire une petite honte. Pour l'histoire, ça date d'il y a un an. Bah, tu peux me dire bonjour, hein, ça va pas te défoncer le cul. Hein. Anyway, du coup, pour l'histoire, ça date d'il y a un an. J'avais invité un mec, entre parenthèses, plan cul. Ah, bah, apparemment, t'as pas besoin de moi pour ça. Du coup, on rentre dans la chambre. Le mec était gênant. Il arrive, il pose son manteau et saute parce que pour je ne sais quelle raison, il est excité. Bon, moi, je pense savoir pour quelle raison il était excité, mon cœur, mais bon. Et en sautant, il se prend mon étagère et la casse. Enfin, bref, on répare le mur parce que oui, il avait niqué le mur en même temps. Sympa le plan cul qui vaut cher. J'aurais dû perdre mon temps avec un sugar daddy, ça m'aurait coûté moins de dégâts et plus d'argent. Calme-toi. Bref, on se pose sur le lit, on commence les préliminaires et au moment de la pénétration, il rentre sa zézette à une vitesse qui m'a fait... Je suis mal à l'aise. Il m'a fait une déchirure anale en pénétrant et du coup ça m'a fait tellement mal que j'ai dégueulé d'un coup à côté de lui. Du coup je sors de la chambre en courant à poil, je vais dans la salle de bain, je saigne. Là après ça s'est terminé, je lui ai dit que c'était un mauvais coup, il m'a bloqué. Et voilà, donc moralité, ne perdez pas votre temps avec des plans cul inexpérimentés, mais des sugar banquiers. J'aurais dû en choisir une autre, quoi. Mais vous savez, j'aime bien les surprises, je suis un peu une personne comme ça. Moi, je lis pas le mail avant de l'ouvrir, je le mets en favori et je l'ouvre. Du coup, après avoir perdu foi en l'humanité, nous allons passer au maquillage des yeux. Du coup, je vais utiliser trois différentes palettes. J'ai la Pastels de chez Beauty Bay, donc les trois palettes sont de chez Beauty Bay. Elle est trop jolie, donc c'est des couleurs pastel comme ceci. C'est trop mignon, ça donne envie de rêver. Et j'ai pris également, du coup, la Bright Matte, qui est incroyable. Incroyable, incroyable. Donc, on va zoomer sur sa grosse gueule. On va commencer avec du pastel. Et je vais mettre le orange comme ceci. Il faut que j'y arrive. Donc je vais faire ce que je peux. C'est super joli, c'est des couleurs un peu néon, genre je trouve. Tout simplement accentuer notre orangité. Hein. Ça me va bien avec le brun. Elle est mignonne. Donc voilà pour ce qui est du make-up des yeux. Les gars, regardez-moi ce jaune. Attendez, je vais faire un zoom. J'adore. Ensuite, je vais passer au mascara. Oh ouais, voilà, elle est trop chelou et je voulais trop la tester. Regardez la gueule de la brosse. Oh. C'est trop bizarre à piquer en fait. C'est tout petit, genre vous savez, c'est petit bas. Ah, c'est hyper précis. Regardez. Ah non, j'aime trop. J'aime trop.
Elle est folle, mais elle est folle. Alors du coup, le mail que j'ai sélectionné, ça parle un peu de mec et tout, donc ça me rappelle les Dr Love, donc j'ai plaisir à vous le partager. Salut Lucas, salut. Oui, je te juge. J'espère que tu vas bien et que tu vas prendre plaisir à me juger, bien sûr. Allons-y gaiement. C'est pas vraiment gênant, mais j'ai vraiment honte de moi quand j'y pense. Mon amour propre s'est vraiment terminé à ce moment, je pense. Je me suis déplacé pour un mec qui n'était pas le mien d'ailleurs. Pour qu'au final, il me dise qu'on se verra une prochaine fois, j'ai dépensé 100 euros pour une chambre d'hôtel et je suis reparti le lendemain. Une semaine après, il m'envoie un message en me disant que j'avais oublié ma carte bleue chez lui et qu'il l'avait utilisée pour s'acheter de la bouffe parce qu'il était dans une situation précaire. Du coup, je lui ai demandé de combien il avait besoin pour s'en sortir. Il m'a répondu qu'il était à moins 700 sur son compte et qu'il devait rembourser 300 euros à d'autres gens. Je lui ai fait un virement de 1100 euros en tapant dans mon compte épargne. Il m'a bloqué, j'ai la haine. Bisous, je m'envole. Alors, c'est pas honte à toi, ma puce, c'est honte à lui. Quel connard. Et je t'enverrai mon RIB dans les plus brefs délais parce que, écoute... Si on peut profiter de ta gentillesse, parce que là, ma chérie, t'as été un peu trop conne, on va pas se gêner. Non, plus sérieusement, ma puce, fais attention à toi et arrête tes conneries. Et laisse tes parents gérer ta carte bancaire et ton prêt épargne, s'il te plaît. Je t'envoie des bonnes ondes. On va passer maintenant au blush, highlighter, tout ça. Et je vais utiliser du coup la palette de Kimchi Chic, voilà, en collab avec Naomi Smalls. Oh, c'est beau! Voilà. Donc vous avez deux blushs, deux highlights. Celui-là est beau quand même, comme j'ai un make-up chaud et tout, on va partir sur celui-là. Voilà, c'est trop mignon. L'highlighter, je vais prendre le Afternoon Glisten. Voilà, comme ceci. Oh, oh. Bonjour. Oh, c'est beau. Non, bah incroyable, cette palette est incroyable. Le blush est super joli. On va finir du coup avec les lèvres. Rouge à lèvres de chez LH Cosmetics. C'est le Velvet Couture Liquid Lipstick en teinte Nougat. Voilà. Mon make-up est incroyable. Oh, c'est trop joli. Donc voilà les copines et les copains, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis fan des produits Beauty Bay, là tout ce que je vous ai présenté, je vais l'utiliser tous les jours. C'est incroyable, genre regardez la pigmentation des fards. Le make-up est incroyable, je suis incroyable. Enfin je veux dire à un moment, foutez-moi en vitrine. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai été trop content de lire un petit peu quelques-unes en vrai de vos petites hontes. Si vous voulez une autre vidéo make-up, je sais pas, où je teste qu'une marque haute, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ou si vous voulez que je fasse qu'une vidéo sur la honte, je sais pas quoi et tout, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi de toute façon je vais vous retourner un Dr Love très prochainement. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas également à utiliser mon code promo, du coup je vous le rappelle, c'est Lucas, et ça vous offre moins 10% sur les produits de la marque Beauty Bay. Je vous conseille fortement les palettes, celle-ci c'est ma préférée. Mais n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cœur mes soeurs, et ramenez-moi un défibrillateur. Bisous.